mon anniversaire aujourd'hui. Et voilà. Bonsoir, applaudissez très fort pour vous. Oh non, je vous trouve trop froid. En temps normal, quand j'arrive comme ça, les gens ils applaudissent très fort. Mais là, là je trouve que bon, on va organiser ça. On va organiser. On va faire comme si vous ne m'avez pas vu entrer. Hein? Voilà, on va reprendre mon entrée. Et puis je vais entendre beaucoup de bruit dans la salle. Par exemple, on va faire un petit test pour voir quoi. Par exemple, quand vous entendez bonsoir, mesdames, messieurs, celui qui arrive, c'est un ambassadeur, le signature même Claudio Renfort, Mister Ambassadeur, vous criez ouais. Bon, comme, on fait comme les stars américaines, quoi. Je vois ça souvent à la télévision. Voilà, faites ça pour moi. Même si c'est un montage, c'est pas grave. C'est pas un problème, hein? La vidéo là, le montage il va m'aider, le réalisateur va mettre beaucoup plus de bruit. Mais vous avez compris. Donc on fait comme si je reprends mon entrée. Mais là, je ne peux plus dire à la dame là de m'annoncer encore parce que c'est pas moi qui l'ai fait venir. Je ne sais pas combien elle a pris pour venir ici. Ok, mesdames, messieurs, voici l'ambassadeur Agueil Awal. Je vous sens. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Bonsoir, madame, ça va? Mon frère, ça va? C'est à vous? Génération Macron. Là, les problèmes qui dépassent leur âge, là, c'est ça, ils mettent sur leur tête. Maman, c'est pour te taquiner. J'ai juste pour rigoler. Appréciez pour ma maman qui est là. Voilà. De la femme, donc il faut vénérer la femme, il faut vraiment respecter la femme, il faut mettre la femme au-dessus, quoi. Et quand c'est comme ça, les femmes aussi, tu peux pas les blaguer un peu seulement, elles prennent tout. La maison là, tu peux plus parler. Quand tu dis un mot, elle dit trois. Il y a un monsieur là, lui, il était sorti, il est rentré à 23h. Sa femme est fâchée. Il tape à la porte. Odette, ouvre la porte. Elle dit, je n'ouvre pas. Où tu es quitté là? Retourne, tu vas aller dormir là-bas. Il dit, hein? Ok, sinon, faut regarder sur le lit là, tiroir là, avec ta porte dedans, donne-moi, j'ai retourné. Elle dit, allez, elle a ouvert la porte, elle dit, rentre, je m'amuse. C'est quelle histoire, petit truc qu'on est en train de s'amuser là, tu es parti déjà. On m'a dit qu'il y a des Nigériens ici ce soir. Nigériens, c'est ça? Nigeria. Ah, Nigeria, welcome au. Boko Haram. Security, security, hein? Don't worry, here is Cotonou, no problem. No problem, Cotonou. Cotonou is very security, hein? Voilà. No problem, no problem. Non, en fait, j'avais appris à parler l'anglais dans le temps parce qu'on devait partir aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on ne parle pas français, c'est anglais, on parle. Nous, le groupe dans lequel on était, là, personne ne parlait anglais. Le premier qui s'est avancé devant les douaniers américains, le douanier l'a regardé et lui dit welcome, mister. Il n'a pas répondu. Normalement, ça devait te dire que le gars, il ne parle pas anglais. Donc, il lui demande maintenant. Do you speak English? Il a regardé à gauche, à droite, il dit small, small. On dit, ah, c'est que small, small. Nous tous qui étions derrière, là, on a dit, ah, c'est que small, small, c'est le mot de passe. Quand on entend small, small, c'est qu'on te laisse passer. Tous ceux qui étaient derrière, quand on te demande, do you speak English? Small, small. Do you speak English? Small, small. On était 30. Le dernier, là, ils ont changé la question. On lui a demandé, what's your name? Il dit, small, small. Il faut pas. Si en anglais, là, on parle ça beaucoup. On parle ça beaucoup. Mais je vous regarde comme ça, ça me rappelle un de mes voyages que j'ai effectué avec le président Talon. Oh ouais, ouais, c'est un ami, hein, c'est un ami. C'est parce que c'est parce que vous me voyez ici comme ça. Sinon, j'ai beaucoup, je connais beaucoup de gens. Donald Trump comme ça, c'est un camarade. C'est un ami, on a fait l'enfance ensemble aussi. Bon, Emmanuel Macron, lui, il était au jardin quand nous, on était au CMU. Quand nous, on était au lycée, Macron, lui, il était encore au jardin. Donc, c'est récemment là, bon. Maintenant, il est arrivé à notre niveau. Alors, la dernière fois, on a voyagé, il y avait le président Talon, Emmanuel Macron et puis Donald Trump, on était ensemble dans le même avion. On a quitté un colloque là où on venait. En plein vol, le pilote prend le micro et il nous dit, mesdames, messieurs, vraiment, on est désolé, mais l'avion que vous êtes dedans là, c'est tombé en panne. Non, on ne pourra pas atterrir. On dit, mais en haut ici, l'avion est tombé en panne. Comment on va faire pour descendre? Ah non, c'est là que j'ai vu que les présidents là, ils sont intelligents. Surtout Donald Trump comme ça. Faut tester. C'est là qu'il y a vu. Les Américains, ils sont intelligents. Hein. Ils ont testé toutes les races.
les blancs, les noirs avec Barack Obama. Dès que là, c'est Albinos qui gère le pays. Donald Trump. Il a trompé la vigilance déjà. Il a trompé les gens et ils ont ri. Il a ri. Il est dans l'avion et il s'élève. Il s'est rendu compte que s'il n'essaye pas d'improviser, on ne va pas pouvoir descendre. Il a regardé de loin et voit la statue de la liberté. Il s'est arrêté, il regarde le pilote. Il dit, hello my pilot. I think I can see the statue of liberty, so if I come to my country, I want to go down. Il est descendu. Bon, il restait maintenant le président Talon, moi et puis Macron. Macron à son tour, il a dit, mais ce que Trump a fait, lui, il se peut faire aussi. Il avait sa main, il s'est rendu compte que vraiment, de loin, quand il a regardé, il a vu la tour Eiffel. Il dit, ah, il regarde le pilote, il dit, eh, pilote, je crois que je suis arrivé en France et j'ai vu la tour Eiffel, je vais descendre. Il est descendu. Autour du président Talon. Au Bénin, là, il n'y a pas tour Eiffel ici. Il n'y a pas statut de liberté. Les immeubles là sont coucou comme ça, on voit rien de loin. Bon, quand tu regardes trop loin, tu vois trop haut. Il a réfléchi jusqu'à un moment donné, il a mis sa main par la fenêtre. Deux minutes après, il a ramené. Quand il a ramené, il s'est rendu compte que sa montre en or, 18 carats, ça a disparu. Il regarde le pilote, il dit, hé, pilote, on dirait qu'on est arrivé à Cotonou et là, on est à Jonké. Ils ont volé ma montre, je vais descendre, c'est comme ça qu'on est descendu. On voyage beaucoup. C'est vrai que je vous parle comme ça, mais j'adore le Bénin. C'est pas ma première fois de venir ici au Bénin, mais j'adore le Bénin. Bénin, franchement, vous êtes bien. Parce que quand je regarde la carte du Bénin, ça ressemble à une clé. Je dis non, ça c'est la clé de l'Afrique. C'est bien. Vous pouvez ouvrir toute l'Afrique à tout le monde. Immigration inverse. On peut venir se réfugier ici, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qui m'est un peu impressionné aussi, c'est que quand je regarde le Bénin, bon, j'ai envie de vous demander, Yélio, votre équipe nationale là. Pas ça. Ça y est, vous-même d'abord. Bon, excusez-moi. Donc, de tous les animaux qui sont en brousse là-bas, là, vous n'avez pas vu autre animal, c'est direct. Il y a des animaux qui meurent dans le but de se faire appeler Togo ou bien Cotonou. Mais vous. Le Guinée peut faire quoi devant les défendre? Regardez les autres équipes. Nigeria. Nigeria, c'est vraiment féroce. Les Eagles of Nigeria. Vraiment, ça fait peur. Tu vois le Cameroun. Lion de Cameroun, les lions indomptables. Les éléphants, nous, on est imposants, même si on est paresseux. C'est pas grave. Mais Écureuil, lui, n'avait pas encore fini de bouffer les graines dans les arbres. Bon, je vous comprends, après c'est pour vous. Je sais que un jour, sincèrement, moi, j'étais à votre place, j'allais les appeler les facochères. Là, ils sont coléreux même. Mais les hippopotames du Bénin, c'est bon. Non, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que les Béninois, vous êtes bien. Vous donnez pas les noms. Les présidents, vous ne mettez pas les présidents au pouvoir par hasard. C'est en fonction des noms des présidents que vous les mettez au pouvoir. Parce que j'ai regardé depuis l'histoire, je vois, au départ, quand je regardais l'histoire, j'ai vu le président Nissofor Soglo. En ce moment, le Bénin était plus fort. Après ça, on a vu le président Mathieu Kérékou. Bon, lui, il a créé trop de coups. Il a fait deux fois plus. Il est parti. Mais après ça, on a vu le président Boni, lui, il a bonifié le Bénin. Ah, lui, il a gloré les femmes d'air. Les mamans, je vous adore. Je vous aime. Ah, vraiment, le président Boni, il a fait la promotion. Il a fait la promotion du Bénin. Ouais, ouais. Parce que partout, tu passes, quand on dit Bénin, tu dis, on ne connaît pas. Tu dis Bénin, écureuil du Bénin, on dit, on ne connaît pas. Tu dis, bon, Cotonou, on dit, we don't know. Tu dis Bénin, la carte complète, on dit on ne connaît pas. Tu réfléchis, tu n'as plus le choix, tu dis bon, c'est notre président qui frottait pour mal. Est-ce ça là, ça n'a pas vendu le Bénin aussi. Après c'est le président Boni Ali. Je dis, my people in Jesus, say amen, amen. Vous savez, le Seigneur, il est puissant et il est partout. Toi qui me regardes à la télévision, tu as des ambitions, tu as envie de te marier. Si tu veux voyager,
tu es malade, tu veux te guérir. Fais une chose. Tu t'approches de la télévision, tu mets ta main sur l'écran, ta partie qui te fait mal, tu mets l'autre main dessus, et tu écoutes la prière, tu seras guéri. Moi j'étais assis avec mes grands-parents en train de regarder. La grand-mère, elle a 95 ans. Elle a AVC, elle a tué fini même. Faut la voir, elle est sautée, elle a sauté du lit, faut la voir très marcher. Elle a mis au niveau du lit et puis de la télévision, elle met sa main sur l'écran, et puis elle met l'autre main sur ses hanches. C'est ça qui la fatiguait. Les histoires de maladies, de reins et autres, en une minute, elle était guérie. Quand mon grand-père a entendu ça, lui aussi, il est descendu de son lit. Il a marché, il s'est débrouillé jusqu'à lui-même dans son pied, là, ça marche pas, je peux le voir. Il s'est débrouillé dans la rue. Il met sa main sur le grand, et puis il prend l'autre main, il met ça ici. Sa femme, tu le regardes, elle dit, hé, en attendant. Pardon, le pasteur dit, il guérit les malades, il n'a pas dit, il guérit, il ressuscite les morts. Pardon,